MCT. Mémoire à court terme. Et c'est quoi le rapport? Bah, pendant tout le film, le personnage. Il essaye de reconstituer ses souvenirs et de comprendre ce qui lui est arrivé. Mais comment il fait pour se souvenir s'il perd la mémoire instantanément? C'est pire qu'Alzheimer? Non, pas instantanément, mais genre toutes les 2 minutes à peu près. Le truc, c'est qu'il n'arrive pas à reconstruire des nouveaux souvenirs. Donc globalement, il sait qui il est. Il est même conscient qu'il a atteint la maladie. Ouais, attends. Comment il fait pour se souvenir ce qu'il a fait 2 minutes avant s'il perd la mémoire toutes les 2 minutes? Il prend des photos. Il prend des photos et après il met des annotations dessus. Et les trucs les plus importants qu'il veut vraiment pas oublier, il se les fait tatouer. Et tout ça pourquoi? Pour retrouver le meurtrier de sa femme. Il tourne en boucle. Comment il peut se souvenir qui est le meurtrier de sa femme s'il perd la mémoire toutes les 2 minutes? Mais non, avec les photos et les tatouages. Il y en a la preuve, le mec. Qui peut prouver que c'est lui qui a fait les photos et les tatouages? Forcément, au bout d'un moment, il se met à douter. Tu compliques tout, là. On dirait Joshua. En même temps, vu le nombre d'années passées à côté de lui, je commence à lui ressembler, c'est normal. D'ailleurs, on va voir là son nouveau projet, si ça va vraiment l'aider. Il m'en a parlé hier. Ouais, moi aussi. C'est même lui qui m'en a parlé directement, d'ailleurs. Bon, au début, je faisais semblant de l'écouter et de le prendre au sérieux. Mais après, Fred me l'a confirmé. Moi, je pense qu'il va vraiment le faire. Hein. Ouais. Ouais, il avait l'air très motivé. Ouais. Bah, malgré ça, je crains qu'il n'arrive jamais totalement à s'en remettre de ce qui s'est passé. Bah, c'est un cercle vicieux. Moi, j'ai espoir pour lui.